bon, si je te disais qu'il y avait quelque chose sous ces écouteurs, qu'est-ce que tu me dirais? Mais rien, mais tu caches tes grosses oreilles de merde, fais ta vidéo et ferme ta gueule. Non mais ça je vous vois venir, me troller. Non, en fait si je vous disais ça, c'est parce que tout simplement en dessous de ce casque, avec donc en dessous de ces écouteurs. Eh bien, il y a d'autres écouteurs, The B-Boy, tu t'attendais à quoi? Et yes, les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Legends. Et aujourd'hui, du coup, nous sommes partis pour un showcase de Gogeta SSJ4. Et oui, j'avais dit qu'on allait pas mal revoir quand même ce numéro 10, voilà. Donc, aujourd'hui, showcase de Gogeta SSJ4 en team fusion, comme vous l'aurez vu dans le titre, tout ça, tout ça. On est parti pour jouer, du coup, dans le top 100 avec ce Gogeta SSJ4, et vous allez voir que franchement, la Team Fusion s'en sort plutôt bien. Je rappelle du coup qu'il y a Gogeta Bleu Zenkai qui risque d'arriver fortement. Donc ça sera, on va dire, un showcase de la Team Fusion avant le Zenkai potentiel de Gogeta Bleu. Et ça risque d'être franchement ultra sympathique. Je compte sur vous comme d'habitude pour le soutien, tout ça, tout ça. Et on est parti pour le moment passion, le moment de l'intro ultra violente. C'est parti. Et si tu veux beau gosse et belle gosse, bien évidemment, tu peux t'abonner, liker et partager sur cette chaîne YouTube. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous souhaite un excellent visionnage à travers cette vidéo. C'est parti. Nous sommes partis du coup, comme je vous l'avais dit, avec notre Team Fusion. Et puis vous allez voir franchement ce que donne la Team Fusion du coup. Mais franchement, elle est extrêmement clean. On joue, je rappelle du coup ici, dans le top 100. Alors que ça fait à peine un jour The Bee qui a eu le reset. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je vais un peu vous montrer quelque chose dans du top. Parce que bon, j'ai pas besoin de dire qu'en dessous du top 100, enfin en dessous du top, on va dire en général top 500, top 1000, et bah c'est un peu des teams olé olé vu qu'on est en début de saison et les gens ne jouent pas trop trop. Ou alors voir, laisse un peu le jeu en attendant vu que c'est une saison en plus x2. Donc bon, je préfère monter, être sûr et puis vous proposer des showcases de qualité. Bref, on est parti en tout cas dans cette Team Fusion et on joue un build assez sympathique. Donc Gogeta SSJ4, bien évidemment le GOAT, avec Gogeta Zenkai rouge. On joue VB violet qui est 8 étoiles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je lui ai mis juste en fait les step-up du PZ d'LF, hein, et on a invoqué tout ça en live bien évidemment pour tous ceux qui se demandent. Je vous donne du coup justement rendez-vous pour un live ce soir à 19h comme d'habitude. C'est là qu'il se passe, hein, des fois il se passe des drames en termes de drop, où il se passe des choses que vous ne comprendriez pas forcément en vidéo, dont ce Végéto bleu qui est passé 8 étoiles, hein. Il était 5 étoiles je rappelle avant le live, et puis maintenant il est 8 étoiles. Je l'ai monté également avec les PZ du PVP. Donc bon, on est parti, on a également VB 8 étoiles, hein, les deux VB 8 étoiles d'ailleurs, assez symbolique. Autant d'étoiles sur le VB que sur le LF, j'ai envie de vous dire. Et puis Goku et Zenitro LF en cas de Zenkai, et Végéto rouge en double NF, plus attaque strike pour les VG. Bref, j'espère en tout cas que ce showcase vous plaira. N'hésitez pas à me dire d'habitude dans les commentaires si vous avez des teams que vous voulez que je teste, tout ça, tout ça. Et puis, cette fois-ci, mesdames et messieurs, je déclare officiellement ouvert la FAQ concernant la FAQ des 8K que je vous avais dit. Oui, parce que vous croyez pas que je l'avais oublié. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires également dans cette vidéo tout plein de petites questions que vous aurez par rapport à moi. Alors s'il vous plaît, des questions forcément dans le respect, tout ça, dans la joie, dans la bonne humeur. Pas des questions forcément personnelles, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vous fais confiance, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vous mettrai également un lien par rapport au tweet en question pour pouvoir du coup y répondre directement. Et puis également, vous pouvez rejoindre les Discord si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à me MP. Bref, c'est parti pour cette vidéo. Fusion dans le top 100 les amis, et du coup, Team Future en face pour nous accueillir avec du coup le nouveau VB à 6 étoiles. On a du Mirai Gohan 7 étoiles, et puis on a également pas mal d'unités étoilées. Et on est parti ici directement avec notre VB. On va bien évidemment du coup prendre Gogeta Rouge dans cette compo, et on prend du coup Gogeta SSJ4. Ici ce qui va être extrêmement fort, c'est le duo quand même avec VB, Gogeta, et puis évidemment Gogeta 4, c'est extrêmement fort quand même. Parce que chaque perso déjà a une verte extrêmement importante, que ce soit in-game, que ce soit tout le temps, hein, même, ça c'est assez impressionnant. Chaque verte en fait est totalement débile, hein, déjà avec la team. Et on est parti en tout cas pour ce trio avec notre game ici. Il prend VB violet, pourquoi pas d'ailleurs. On va attendre tranquille ici. Et puis, ok, il choque ici le pas de côté. Et par contre, Gogeta qui fait extrêmement mal. Et c'est les premiers dégâts de Gogeta Zenkai qui vont tomber et qui vont arracher, hein, il n'y a pas les mots, arracher le Mirai Gohan ici. Parce que du coup, il n'avait pas le choix. Et puis, en plus, il se fait avoir par la deuxième strike ici. Ça passera pas deux fois et puis on va l'esquiver. Ok, malheureusement il a pas esquivé. Et là par contre c'est un massacre là. Oh là 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 là, dommage qu'on ait pas eu la strike ici. Et vous savez quoi, on va spé directement. Je rappelle qu'on va tirer une autre spé en plus de ça, si on touche bien sûr. La tempo ici, et puis là c'est Gogeta qui va prendre le kill. Gogeta qui fait mal ici par contre, qui fait extrêmement mal. On suit sur VB violet, la petite durée de mise en... Oh là là. J'allais dire la petite durée d'attente, mais non, il y a pas de durée d'attente ici. Par contre on annule pas la survie au chaos, pardon, à ne pas oublier par contre avec VB violet. Et on a tendance à l'oublier quand même, hein, c'est le seul, enfin le seul, c'est juste que ce VB là par contre n'annule pas la survie au chaos. Et il ne faut pas l'oublier mesdames et messieurs ici. Il va sûrement partir sur un main.
il en part sur le team de toute façon. Et il n'arrive pas à esquiver contre le choc. Mais c'est quoi cette destruction? Par contre, on est en train de le démolir. Ça n'a aucun sens. On va dire à qui quoi? Et puis on le chope ici. Alors peut-être qu'il a give up. Hein. Honnêtement, je serais compris à sa place. Peut-être qu'il a give up le combat. Peut-être qu'il a abandonné. Non, il n'a pas abandonné. Ok, il joue encore. Et c'est le main qui tombe ici. Et tout peut-être un perfect dodge de Gogeta et Seiji. Et puis c'est le cas. Hein. C'est monstrueux. Mais par contre, cette game, les gars. Oh là 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 là, c'est le perfect... Ok, ça va, j'allais dire c'est le perfect dodge ultime. Mais il nous touche quand même dans la game. Il nous avait pas touché. C'était impressionnant. Il nous ultime direct, par contre, ici à noter. Je sais honnêtement pas si Gogeta CG4 est mort directement sur l'ultime, on va voir. Mais j'espère pas quand même. Oh là là, il meurt. Mirai Gohan, il fait tellement mal ici. C'est abusé par contre. Hein. Mirai Gohan totalement cheaté sur ce move là. Ok, il recule. Et puis... Ok, je vais cliquer sur le R, par contre, il n'est pas passé. Ok, c'est bien joué de sa part. C'est très bien joué de sa part, il est en train de se concentrer, par contre. Et on va faire attention quand même, ici de pas choke. Mais j'ai le seum parce que j'ai pourtant spammé le bouton du RR. Hein. Ok, la single tap dans le vent. On esquive. Un kick quoi direct ici. Et franchement, il est en train de bien comeback, par contre. On va se concentrer quand même un petit peu. Tap attaque. Vous savez quoi, on va attendre de voir ce qu'il fait. Voilà. Au cas où il y avait une autre tap attaque, ça passe pas. Et là, c'est la fin de la game. Concrètement, par contre, j'ai fait de la D1 sur la fin. Sur la fin, il a mieux joué que moi, j'avoue que j'ai un peu de choke. Mais bon. En fait, j'ai surtout de choke à partir du moment où il a one shot Gogeta. J'étais pas prêt en fait. Et là, on le laisse pas tempo évidemment. Pour la deuxième tempo. Bon, par contre, c'est parti d'un perfect. Un totalement comeback avec Mirai Gohan. Je pensais honnêtement pas que Gogeta 4 allait mourir. Par contre, vous avez vu le taf monstre qu'il a fait. VB Violet a fait son taf. Tout le monde a fait son taf. Gogeta Zenkai a fait son taf. Magnifique la Team Fusion, on va se retrouver tout de suite pour une deuxième game. C'est spécial quand même comme build en face, mais pourquoi pas, ça fait plaisir de tomber face à des builds atypiques. Et les gens de route, du coup, avec double jaune, il va sûrement partir double jaune ici, hein. Je vois pas comment ça pourrait autrement se passer. Donc on est hors de toute partie sur notre trio, avec du coup Gogeta Zenkai, on prend également du coup le VB violet, et puis Gogeta SJ4 pour terminer ce trio des beaux gosses, la Trinitude, et on est face quand même à deux jaunes, j'espère qu'il ne les prend pas. Franchement, s'il joue yellow, yellow, green, ça risque de sonner très très mauvais. Gogeta Zenkai va tout simplement faire un carnage, hein, il va faire un massacre. Moi, j'ai qu'un truc à dire, je l'avais call. Bref, on est parti en tout cas ici. Il commence par Kid Goku, hein, logique pour appliquer les bonus pivot sur toute l'équipe. Et c'est parti ici. Et franchement, un seul faux pas de sa part peut signifier notre win. Genre un faux pas comme ça. Non mais vraiment, hein, regardez. Hein. Quand je vous dis que ça va être un massacre... C'est qu'en fait, on met trop de dégâts. Il met Piccolo carrément, vous voyez, on en est au point, il doit mettre Piccolo. Peut-être un stun ici. Malheureusement, pas de stun. On met Gogeta et malheureusement, j'ai pas réussi à le choper comme je voulais. Bon, même VB violet, un VB violet quand même très solide. Malgré le fait que quand même Koteng soit 14 étoiles in K7. Franchement, il tient. Alors après, je rappelle quand même qu'il a pas sa première réduction. Hein, qu'on vous devez vous dire, mais wesh, c'est pas ouf. Oui, parce qu'il a encore 25% de réduction qui doivent arriver après. Et ça, c'est la différence. Kiko ici, j'ai pas très bien joué par contre, il fait un peu des moves bizarres genre. En plus ses moves passent donc il faut que je fasse un peu attention, vous voyez. Genre je sais pas pourquoi il fout le combo, mais pourquoi pas. Piccolo qui rentre, il nous dispelle. Et puis, pff, je sais pas pourquoi il fait que de break cover par contre, je comprends pas. Je comprends pas. Gogeta 4 ici qui rentre, c'est pas ouf ouf les dégâts, mais bon ça fait de la quand même, c'est des bons petits dégâts. Et puis on va pouvoir directement re-switch, hein, c'est switch ici. Et la carte verte par contre ici qui est excellente, hein, évidemment je rappelle la carte verte qui dispelle, qui empêche les covers spéciales et qui élimine quasiment une, voire la meilleure carte verte du jeu quasiment. Hein. Si ce n'est pas la meilleure carte verte du jeu, la meilleure étant sûrement évidemment le point safe hein, de Gatai Zamasu qui est beaucoup trop pété. Mais pété, j'ai rien. Allez, le kill ici sur Piccolo, on rappelle hein, évidemment, mais Piccolo quand il meurt il donne des bonus, ce chien, il est vraiment très fort hein, ce Piccolo à ne pas sous-estimer quand même. Et puis il fait pas mal de tap. Allez, on va tap attaque. J'allais dire on va single tap, mais ça passe pas. Ok, il nous fonce dessus. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il nous fonce dessus. Et encore sur Gogeta 4 ici directement. Hein. La cover spéciale de Gogeta 4 qui fait énormément de taf. Hein. Par contre, hein, la double cover, je vous mens pas. Quand Team Fusion, ça fait énormément de bien de se taper une double cover. Parce qu'avant, on en avait aucune. Hein. On avait juste une cover strike ou une Kikoa. Mais on n'avait pas de double cover et à la Mega T et même dans beaucoup de teams on les a pas. Et ça fait énormément la taf. Dommage ici quand même la cover hein, par contre sur Kid Goku. Même sur 23 elle le fait très mal. C'est ça par contre qui est un peu chiant. Oh, le contre rising quand je bouge un dit de toute façon. Bon on aurait pas. Ok mais par contre il me fonce dessus du fond de map. Je vais péter un câble. Il me fonce dessus. Allez il fout le combo. Mais je pense que c'est un débutant en face. Hein. Je pense que c'est un débutant.
Ouais, je pense qu'on a affaire à un débutant ici. Parce que vraiment, il fait des moves trop étranges vraiment pour le classement où je suis. Et d'ailleurs, je comprends pas, hein, mais je comprends pas comment je peux croiser des frérots qui ont ce niveau. Pas en mode il est mauvais, mais en mode il y a beaucoup de différences de classement, quoi. Je trouve ça un peu abusé quand même, hein. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression vraiment que les différences de classement se font d'autant plus ressentir à cet anniversaire, hein. J'ai quand même l'impression. On part ici sur l'ultime de bébé, je rappelle qu'on récupère de la vitesse de pioche en plus de ça, hein. C'est extrêmement fort, hein, l'après ultime bébé, en plus avec l'esquive. C'est dans le cas de figure, hein, on n'a pas l'esquive. Le coup critique, bon, il va nous foncer dessus. Ok, parfait ici. On va mettre Gogeta SJ4 qui devrait tuer de toute façon, hein. On a le main quand même qui va faire le taf. Normalement, il devrait se prendre la Kiko, hein. Voilà, comme je l'ai dit. Et puis on va esquiver direct, une vraie strike, je pense, voilà. Et c'est le élève de Gogeta SJ4. C'est, je crois, le premier élève. On va le laisser, hein, bien évidemment, je me tais. Dernière game de cette vidéo et nous sommes face du coup à une team divine en face, team divine plutôt très étoilée. On a du Zenkai, on a du Gatai Zamasu également qui est présent en face. On a Gatai Zamasu qui est soutenu par la Kamisa Tenkei de Gogeta. Et c'est d'ailleurs le même build que je vous ai présenté du coup dans le showcase de Gatai Zamasu, où je joue du coup Vados avec du coup également le Gatai qui est supporté par la Kamisa Tenkei de Gogeta. Et je trouve quand même que c'est pas mal fort, hein. Et malheureusement du coup je comprends pas pourquoi il a pas pris Gatai. Même si AVB en vrai, hein. Mais pourquoi pas, en vrai c'est plutôt pas mal. Ça fait que du taf en plus pour Gogeta. SJ4 bien sûr ici. L'esquive directe il ne passe pas. J'aurais pu direct esquiver, mais bon, j'ai mal joué concrètement, hein. On va attaquer direct ici. Par contre, ça va faire très mal. La première Kiko qui va arracher. Non. Non, en vrai ça va. On met surtout des dégâts strike par contre dans la team fusion. À noter, hein, ça va être la grande différence avec la team. Et ici pourquoi pas un petit dispel en vrai. Alors on va dispel une seule partie de ses buffs de dégâts. Mais regardez, hein, ça fait quand même le taf. On lui lève le bonus pivot, une partie des buffs qu'il a normalement qui sont du coup dispellables. Donc bon, ça fait quand même un petit taf ici. La tap attaque qui fait mal par contre. In tous les dégâts par contre très très clean, hein. Ici le break over ici, j'ai pas envie de perdre ma main bêtement. Et puis ça va partir directement sur le Rising Rush avec Gogeta SJ4. Et ça fait bizarre quand même de parler de Gogeta SJ4, hein, dans Dragon Ball Legend quand même. Concrètement parce que c'est venu très très vite, hein, tout ça, hein. C'est venu quand même très très vite parce que maintenant, j'avoue, quand on dit genre par exemple, je vais Gogeta 4, et franchement, ça fait. C'est étrange, genre. On n'est pas encore habitué parce que franchement, ça fait tellement longtemps qu'on attend le GOAT. Malheureusement, ici, on tue pas, par contre, ça fait pas trop le taf. Et puis, VB qui revient à la vie, par contre, j'ai vraiment le seum, même. J'ai vraiment trop le seum, même. J'ai vraiment le seum interstellaire. Carte verte ici, c'est free. Et je rappelle que la carte verte, du coup, va le lock, va diminuer tout ce que vous voulez, sa Dragon Ball, tout ce que vous voulez. On joue avec son corps, évidemment, avec une. Avec, on va dire, j'allais dire une Dragon Ball, mais non. Avec la carte verte. Et puis, c'est bien joué ici, un Perfect Dodge. Grâce à la chance, un peu du Perfect Dodge qui est bien passé. Et puis, du coup, il a récupéré son esquive, hein, ne pas oublier. Ok, j'ai cru qu'il allait re-Perfect Dodge, j'allais dire quand même la chance, vite fait. Allez, ici, par contre, on va partir directement sur l'ultime. Hein. Je vais qu'il switch. Et puis ok, il est mort ici, il va prendre l'ultime. Et ça va faire tellement de dégâts. Ça fait hyper mal, hein, franchement ici. On va tuer Vados. Et puis du coup, c'est Végéto qui va revenir, on n'oublie pas ici. Ah putain, j'ai vraiment pas de chance, hein, par contre. Que ce soit dans cette game ou d'autres games, j'ai remarqué j'ai vraiment pas de chance. Je tue jamais quand il faut. Ça fait déjà deux fois, hein, là, que ça m'arrive par contre. Et ça devient relou. Mais ici avec Gogeta et SJ4, et il devrait tuer ici, hein, de toute façon. Beaucoup plus ne survit pas à ça. Et VB, je suis même pas sûr, hein, pour vous dire, un hein, VB, pas du tout, je pense. On a la ludification du type, je rappelle. Et le Kamehameha, hyper classe. Par contre, il est tellement beau ce Gogeta 4. Et on tue ici Magnifico, switch into VB, into main. Ça serait bien de tuer la Kikoa. Ok, malheureusement, on détruit la strike. Elle aurait pu nous servir, mais bon. Ah, ok, il a l'air d'avoir déco, mesdames et messieurs. Bon, eh bien, franchement, n'hésitez pas, dans tous les cas, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette petite vidéo avec cette petite team. On va essayer de le terminer tranquille ici, hein, avec la petite Kekoa, le bot, hein, normalement. Parce qu'il a rage quitte. La strike ici, on esquive, tout ça, tout ça. Et puis, on va tuer le bot tranquillement. Et puis franchement, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite team fusion. Et puis n'oubliez pas évidemment que là c'est la team fusion en mode alpha. Parce que oui, comme je le rappelle, bon, malheureusement le LF il aura pas lieu. Mais comme je le rappelle, du coup, on aura du coup Gogeta Bleu Zenkai qui va arriver du coup dans la prochaine partie de la célébration. C'est pas tout de suite, hein, c'est dans la deuxième partie a priori ou la troisième max. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Mais bon, la team fusion va quand même prendre un up considérable. Parce que du coup, on jouera du coup
notre duo avec VB hein, Violet, VB Violet qui sera le pivot, qui en plus qui quoi, ça s'énergie bien. Et puis on aura également du coup Gogeta SSJ4 qui jouera un peu le rôle de tank, tout ça, et ça passera extrêmement bien. Bon, et bien en tout cas mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je l'ai répété. Et puis de toute façon, on se retrouve ce soir pour un live à 19h, comme d'habitude, tout ça, pour de nouvelles aventures sur Dragon Ball Legend. Et puis vous aurez également du coup un showcase dans cette seconde partie de journée, avec du coup, probablement, pourquoi pas, du gâteau et tout ça, on verra de toute façon. Bref, prenez soin de vous, c'était Riyad pour vous servir avec ce petit showcase de la Team Fusion, en espérant que ce soit nickel pour vous. Ciao.